No scientific challenge remains greater than that of finding the key to perpetual motion. I accept the challenge. 2 years ago, we were in London and in Paris making a film, Hugo. And when we got to Paris, we had some Parisian crew, the grips, the electrics, the art department. I said, can you get me Jean-Pierre Genet's email, please? And I never do this, but they gave me the email and I emailed him and I said, Jean-Pierre, I think you are the perfect director in the world for 3D. Please come and see the 3D rigs and I hope someday you shoot 3D. And amazingly, he emailed me back. Il y a très très peu de vrais films tournés en 3D intelligemment, avec attention, avec le bon matériel et en pensant 3D. Le bouquin de Ralph Larsen a cette particularité d'être sans arrêt agrémenté de notes, non pas des notes en bas de page, mais en côté de page. La principale difficulté, justement, c'était toutes ces petites notes, comment les intégrer dans le récit. Il a fallu être assez malin pour soit les intégrer dans l'histoire, soit de temps en temps, effectivement, les faire sortir grâce à la 3D, comme des fantasmes, des rêves, des choses qui sortent du film, qui sortent réellement du film. On a fait appel à la société de James Cameron, supposée avoir le matériel le plus compétitif, puisque c'est un peu eux qui ont réinventé la 3D. Et comme stéréographe, qui est un personnage extrêmement important, on a fait appel à Dimitri Portelli, qui est le stéréographe de Hugo Cabret, puisque j'estimais que c'était un peu le film le plus intéressant. It's a piece of glass, which is a mirror. From behind, it's not a mirror. The bottom camera sees straight through. So one of your eyes is seen perfectly clear. The other eye is seeing a reflection. This lens actually doesn't move. So this system only has one eye which moves. And each eye has different information. Each eye sees the world differently. And this eye is making the 3D. And that's good 3D, your ability to fuse everything in the frame, from the closest to the furthest object. Pour que la 3D soit magique, il faut vraiment qu'elle soit faite de manière magique, c'est-à-dire qu'il faut un peu travailler. Il y a une grande attention portée pour que ça soit confortable. Il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas un reflet qui vient de taper dans le miroir, parce qu'il ne tape que dans un œil, et là, tout d'un coup, le cerveau, c'est plus comment il s'appelle. Il faut imaginer le décor en tranches, et donc toujours essayer de travailler les premiers plans, les seconds plans, les troisièmes plans, d'une manière vraiment précise. Donc ça, oui. Dans la conception des décors, dans l'accessoirisation des décors, c'est quelque chose dont il faut tenir compte et qu'on a essayé de travailler au maximum. C'est vraiment le style de Jean-Pierre avec les focales larges, avec des cadres bien remplis, avec des premiers plans, des arrière-plans. C'est vraiment son style, la 3D, en revanche, a vraiment amené qu'on se sent à l'intérieur du cadre. On amène une intimité par rapport au personnage qui est vraiment là. C'est palpable, ça devient palpable, c'est une autre sensation, ça devient vraiment sensuel, épidermique, il y a un truc très, très physique.